Ah bah non, c'est très très chiant parce que là ça va sortir. Ah ! Wesh ! Mais il est malade lui ! On y est. 50 000 merci, voilà, c'est la phrase tellement bateau, c'est la phrase tellement classique les amis. Salut à toutes et à tous, je vous fais cette petite intro un peu particulière, un peu différente de celle que j'ai l'habitude de faire d'habitude et j'espère que je vais pas être trop long, vraiment. Mais cette vidéo elle est particulière pour moi parce qu'elle marque un moment, je donne cœur et âme et beaucoup de mon temps, beaucoup de mon énergie dans ce que je fais. J'essaye de passer outre des remarques dans la vraie vie, etc. C'est compliqué et là se dire qu'on l'a fait c'est juste fou. 50 000 abonnés qu'on vient de franchir. Vous savez que ça faisait des années qu'on était bloqué. Justement, je m'en souviens à l'époque, aux 30 000 abonnés. Voilà, c'est des caps que beaucoup d'entre vous se souviennent parce que on était vraiment bloqué. Il n'y avait pas de croissance, il n'y avait pas de nouveautés, rien. Et là, le fait qu'on a franchi le cap des 50 000, en plus à une vitesse record pour le coup, un coup de boost, un bon coup d'énergie, et ça fait trop du bien au moral, ça donne trop envie de continuer dans ce que tu fais. Et je vous en remercie pour ça, parce que vous êtes juste des boss, voilà. Un autre petit point, et je lui promets de pas remuer le couteau dans la plaie plus longtemps que ça, parce que c'est vrai que toute la semaine, vous en avez entendu parler, mais c'est l'arrêt des réseaux de mon copain KevKevko, et c'est toujours un crève-cœur, mais promis, c'est vraiment la dernière vidéo où on va en parler. En tout cas, moi, je voulais juste personnellement et le dire de manière publique parce que il le sait. On en a déjà parlé avec Kev en privé, mais je voulais vraiment le remercier encore et devant tout le monde pour tout ce qu'il a fait pour moi. C'est vraiment un mec en or. Et il y a 2 ans de ça, il m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Quand ça allait pas, il a su trouver les bons mots, Voilà, il a été très fort là-dessus. Évidemment, ça n'a pas été le seul à m'avoir aidé il y a 2 ans quand j'étais au plus bas, mais en tout cas, il a fait partie de ceux qui ont trouvé les mots et qui m'ont apaisé et qui m'ont accompagné tout au long, justement pour me relever un peu plus fort. Pour ça, un grand merci. Et donc cette vidéo est assez particulière puisque c'est un best-of, rien de plus classique. J'espère que vous allez l'apprécier, best-of des derniers meilleurs moments de live. Et à la fin, il y aura quand même un dernier petit clin d'œil à KevKevko avec justement un mini best-of, une mini compilation, des petits moments avec lui, même s'il n'y a pas tout. Évidemment, je voulais pas trop en faire, donc voilà. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Encore une fois, j'allais dire 50 000 merci, mais c'est tellement bateau. Donc encore une fois, merci énormément pour les 50 000 abonnés. On va essayer d'aller le plus loin possible. On va continuer notre activité. Allez, bon visionnage. Préparé, préparation pour le braquage, supplément bien sûr, sauce magique beau gosse, la peinture, le blanc, je trouve que c'est un peu trop voyant. Pour un véhicule de fuite, je trouve que le blanc, c'est un peu trop voyant. Donc on va partir sur un rose vif. Voilà. Oh, toi, tu me fais chier, bordel. Dégage. Sans déconner, elle va être chiante. Hein. Respecte la vache, elle t'a fait quoi? C'est pas grave, c'est un jeu vidéo. Refais ce que tu viens de faire. De quoi ça? 20 minutes later. Général. Ok, image screen. Ah le bâtard, en plus à la base ça vient de Alex. Voilà. Ah voilà. Oh putain. Ah oui d'accord. Ah bah c'est super. Hey, regardez. Attendez, c'est incroyable. Attendez, c'est trop drôle. Alors je pense pas qu'ils ont la même intelligence que les monstres, mais en gros, regardez. Let's go! Salut mon pote! Salut Charclot! Ah mais Charclot en verlan ça fait clochard! C'est fait exprès rassure-moi! Ou j'ai fait une boulette! J'aime bien ce poteau! Alors... Seul souci... Mais je me suis fait pousser par un mouton! Vraiment là! Non t'es pas bloqué, arrête! Oh non, 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 ça c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée ça. Écoute, va pisser. C'est pépite la musique. Hein. Ah là là. Oh c'est profond. C'est profond. Oui, un bastion pour la naserie. Mais aussi une simple. Paf. Ouais. Il y a toujours mon frérot qui vient. Ça, c'est super stylé. Est-ce que tu vas me rendre l'émeraude juste si je te clique dessus? Ah ouais. Oh, c'est génial. Merci, Bichette. Eh non, c'est à moi. Hey, hey, hey. Oh, coquin. Tu me connaissais quoi pour commencer YouTube? De créer une chaîne YouTube. Il fait froid et tu fais pipi. Tu veux pas que les gens ils voient ton zizi? Ouais, mais tu le vois pas de toute façon. Eh ben on le voit pas. Bah oui. Bah voilà. Ah ouais.
On a un Oslo, les gars, regardez. On a un Oslo. On a un os et on a l'eau. Voilà. Allez, vas-y. Va bosser. Non, mais là aussi, y a pas d'effort qui est fait. Tu veux toucher le pôle emploi, c'est pas possible. Tu veux faire gonfler les chiffres du chômage à un moment donné, fais des efforts. Allez, va bosser maintenant. Fallait me le dire plus tôt quand même. Alors. Oh merde! Non! Non! Pourquoi? Non, ma vache. Tu es ma vache. Je suis pas allé faire d'expédition pour rien. Moi, je m'en bats les couilles. Moi, je vais rechercher ma mouche, hein. Ma vache. J'ai confondu une mouche et une vache. Écluse, là, regarde, j'ai fait une écluse exprès. Tu restes ici, je mets ça comme ça, personne viendra te déranger. Je te mets des petites lumières, je te mets un petit lit si jamais t'es fatigué. Et puis, tu sais quoi, je te mets même un bloc d'or, comme ça, tu feras la meuf riche. Et voilà, comme ça, personne ne saura que t'es là. Tiens, et puis je te donne mon totem of undying. Couche 18, couche 17, couche culotte. Mais dans tous les cas, entre temps, on aura peut-être tout ce qu'il nous faudra. Donc, pourquoi je parle comme Marine Le Pen? Je viens de remarquer, je parle comme Marine Le Pen. Oh, oh. L'essentiel est dans l'actel. Dans la telle. Dans l'actel. Ah, c'est, alors ça, c'est le pub des années 80, ça, à mon avis. Exact. Déjà, en 80, j'étais pas né, s'il te plaît. Ah bon? Ok. Je suis né en 1990. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Bah non, ça veut dire que t'as... Ça veut dire que t'as... 32 ans. Comme je te dis depuis le début, j'ai 32 ans. Du coup, je disais, pendant que M.Colo se lèche les doigts après être passé aux toilettes, est-ce que je fais du trio détraqué ou du trio troisième personne, bouffeur de cul? Non mais mec, qu'est-ce qui m'arrive? Vous m'entendez ou pas, bande de suceurs de queue? Oh la vache. What? Alors, je mets ma tête dans les seins de qui pour voir? Mais... Filtre de couleurs. De quoi? Tu veux changer les couleurs des ennemis, c'est ça? Ouais, le truc des filtres des couleurs, là où il y a tous les filtres que ouais. Tu peux choisir de couleurs. Tu vas dans interface. Interface, oui. Et tu vois, lisibilité, le premier onglet, et ben en bas, personnalisation des couleurs. Ok, non, c'est pas celui-là. Mais c'est gentil. Écris un dans le chat pour voir, Kev. Ça marche? Tu m'as vu? Oui. Non, parce qu'il y a un mec... Je suis content. Il y a un mec, il a écrit dans le chat, écris un si t'es raciste. Non, arrête, vraiment? Ouais? Oh, vas-y, t'es une pute de voir ça. Mais non, je rigole. Je suis le type le plus tolérant. Ah, j'ai eu trop peur. Je suis le type le plus tolérant du monde. Non, non, mais je rigole pas, il a vraiment fait ça. Oh, le pète. Mais je veux dire, c'est pour rire, tu vois. Ah ouais, c'est drôle. Sur le dôme, il y a comme une couverture plastique, ok? Un peu comme une capote. Ça, je sais pas si ça peut vous. Et tout à l'heure, vous avez vu, il y a des feux d'artifice. Bah c'est ce qu'on appelle du sperme en fait simplement. Et le dôme est mais frère. De feu d'artifice. En fait le but du jeu c'est d'envoyer plein de spermatozoïdes partout dans le nobule et une fois. Je l'entends toujours pas hein. Allô Kev? Kev Adams? Kev? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Eh oh! Attends, oui, je vais regarder sur son live ce qui se passe, messieurs, dames, je ne comprends pas. Kev-Kevko! Je t'entends! Mais il m'entend pas, hein! Oui, je t'entends! Allez, Kev, lis ton chat! Mais je t'entends! Putain, il lit pas son chat! Mais je t'entends! Ah merde! Mais en plus, il m'entend depuis tout à l'heure! J'avais pas capté! Pardon, bah je me remue, le temps que tu aies tout! Vas-y! Salut les amis, il est 16h! De Burger King de Timor. Je veux changer. Regardez Vanilico, c'est incroyable. Regardez, je me fais sniper là. Regardez. Et voilà, je suis mort. C'est absolument dingue. Coucou. On s'est fait. Et ta gueule. T'es vraiment pas sortable, Yvan. Hein. Je suis pas fier de toi. Ha 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 ha!